Hello YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bienvenue en 2018. Bonne année, bonne santé et j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui je suis ici pour une nouvelle vidéo, donc qui sera en plusieurs parties parce que je n'arrive pas à tourner en une seule fois, je sais pas pourquoi. Mais je suis ici pour te présenter tous mes cadeaux de Noël. Alors avant toute chose, je sais, j'ai énormément de cadeaux, tu vas voir celui qui sont en plusieurs parties. Mais voilà, j'ai pas d'excuses, voilà, c'était Noël, mes parents, j'ai beaucoup d'oncles et tantes qui nous gâtent énormément. Voilà, donc si ça te plaît pas, tu sais, t'as la croix juste là, tu peux aller voir une vidéo de chat en train de manger une souris ou en train de jouer avec une souris, comme tu sens. Mais ne mets pas de commentaires désobligeants, ça sert à rien. Voilà, je vois pas l'intérêt, donc tu peux changer de vidéo ou aller voir une autre vidéo de ma chaîne, tu verras, je suis extrêmement gênante, ou pas d'ailleurs. Dépend de ce que tu penses. Donc, comme je disais, je suis ici pour vous présenter mes cadeaux. Donc, je vais commencer mes cadeaux que je me suis offert pour moi un mois. Comme ça fera plusieurs vidéos parce que là, en fait, dans une seule fois, je n'arrive pas à la caser. Donc, je me suis offert ce petit vernis à ongles pour de moi à moi. Donc, c'est un de chez Essie, comme tu as pu le constater. Et c'est cette teinte-là. Donc, c'est le Mademoiselle. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je me suis offert de moi à moi toujours cette palette d'highlighter. Voilà, dans les tons gris, violacés, que je trouve magnifique. Surtout celui-ci, je veux trop le tester. Donc je l'ai acheté à Action pour le moindre coût. Donc nous avons la Angel White, la Pale Marble, la Peaceful Calm, la Subtle Tundra, Purple Shadow et Mild Marble. Donc je vais apprendre comme ceci. Elles sont tous magnifiques. Donc j'ai 13 highlighters maintenant. Je suis trop contente. Donc voilà. Ensuite je m'en suis... J'ai pris la deuxième qu'il y avait. Donc je me dis, hey, au moins je les ai tous. Donc j'ai celle-ci. Dans les tons un peu plus rosé, chaud. Donc nous avons toujours la Angel White, la Pale Marble, en fait je pense des teintes universelles en fait, tout simplement. La Soft Sand, la Summerside, la la Lush Terra et la Jungle Peony. Alors je pense que ces deux là je les utiliserai en tant que blush. Parce qu'ils sont un peu trop foncés pour moi comme highlighter, mais je vais toujours tenter, ça fait toujours, on peut toujours tenter, hein, voilà. Donc je vous les montre comme ceci. Ensuite je me suis offert ce livre-ci. Donc c'est un livre de Jem Dashner. Donc c'est le jeu du maître, le tome 1. Je l'ai mis le deuxième, je cherchais le deuxième livre. Donc c'est la fin de la partie, parce qu'il y avait deux tomes avant. Donc je te ferai pas franchement de résumé parce que j'ai pas envie de te spoiler. Et donc si tu veux découvrir toi-même la saga, enfin la trilogie pardon, et bah tu peux. Donc oui, c'est bien le gars qui a écrit Labyrinthe, je sais pas si je me suis dit. Parce que je me suis un petit peu paumée, je cherchais l'autre livre à présenter et je te demande, mon dieu, il est où? Donc voilà, donc c'est ce livre là. Donc le 1 est génial, le 2ème est coussi-coussa, donc j'espère que le 3ème sera toujours mieux. Le dernier cadeau que je me suis offert de moi à moi, c'est ce livre-ci. Donc c'est le manoir de... Saison 1, Liam et la carte d'éternité de Evelyn Brizou-Pellen. J'adore la couverture. D'ailleurs, Romain, j'ai failli te le prendre à ton anniversaire, mais j'étais pas trop sûre si t'allais aimer, donc c'est pour ça que j'ai préféré pas te le prendre. Mais griffer la couverture, regarde juste derrière, comment c'est trop beau. Donc, je vais vous dire la quatrième couverture. Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence au manoir. Mais tout dans cette vieille demeure l'inquiète, à commencer par les autres pensionnaires, plus étranges les uns que les autres. Il ne voit qu'une chose à faire, s'enfuir. C'est alors qu'arrive Cléa, une jeune fille de son âge, qui semble avoir de graves problèmes. En cherchant à lui venir en aide, Liam va découvrir la vraie nature du manoir et celui-ci recèle des mystères dont il n'a pas la moindre idée. Franchement, j'ai trop hâte de lire ce livre-là. Bah écoutez, il me reste encore un petit peu de temps. Est-ce que je vais vous présenter un autre livre, je pense? Ou non, tiens, je vais vous présenter ça. Donc, mon frère a eu pour son anniversaire Netflix, donc déjà, gros merci. Et gros pick-up à tous ses potes et cousins et cousines qui lui ont offert. Et dans le coup, il a pris tout simplement la version genre ultra ultra bien, tu vois, de Netflix. Et il nous a tout simplement créé tous un compte en fait. Excusez-moi, j'en mets mon soutif.
Et donc, du coup, bah, on a tous un compte. Ce qui m'a permis pour moi, en fait, de pouvoir voir Stranger Things, qui est vraiment une série que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc merci, c'est un super cadeau de Noël déjà enfin, d'anniversaire que vous avez fait, mais surtout un super cadeau de Noël avant l'heure pour nous, parce que maintenant on peut regarder des films et séries comme on veut. Et au moins, on se bat plus pour savoir quelle série on va regarder, quelle série on va pas regarder. Donc ça, c'était juste génial. Donc merci à tous ceux qui vont faire ce petit cadeau-là. Donc je le dis haut et fort, mais je pense qu'une fois que ces deux cartes seront utilisées, enfin épuisées, et si j'ai un travail, c'est moi qui payerai tout simplement l'abonnement de Netflix pour tout le monde en fait. Parce que donc, bah voilà. Et puis franchement, Netflix, c'est franchement hyper intéressant. T'as des films, des séries, des mangas. T'as de tout. Des films d'horreur, pas des films d'horreur, des comédies, enfin des thrillers, t'as de tout. Et en ce moment là, j'ai vu que c'est fini les deux saisons de Stranger Things. T'as deux doigts sur une crise de nerfs. Et surtout d'une nuit blanche. Je me suis mis dans Slasher qui est plutôt bien en fait. Et donc, du coup, bah, j'ai bientôt fini la saison 1, donc ça va être plutôt mal. Oui, non, mais je suis à fond sur Netflix. C'est franchement quelque chose que je vous conseille. Comme cadeau, quoi. Donc, si vous avez l'occasion de l'offrir à quelqu'un, faites-le. Ça vaut le détour. Est-ce que je vous donne d'autres cadeaux? Non, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là, parce que, du coup, c'est mes cadeaux de moi à moi, plus le cadeau de mon frère. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu pour cette petite vidéo. On se retrouve pour la deuxième et troisième partie, sachant qu'il manque des cadeaux, je crois, parce que j'ai pas vu tous mes ongles dedans, donc voilà. Donc si entre deux, bah, je reçois, je vous la mettrai, je ferai une vidéo à part pour vous expliquer le cadeau que j'ai eu, ou je l'incrusterai dans une autre vidéo, parce que je pense que je vais faire, je sais pas si, je pense que je vais faire une vidéo où je vais tous les swatcher. Moi, ça t'intéresse que je vous fasse un swatch de toutes ces petites palettes, parce que je serais totalement ravie de les faire. Et moi, il me tarde trop de les swatcher. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, je vous dis à plus tard pour la partie 2 et 3 ou 4 de mes cadeaux de Noël. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Bisous!